Putain, y a toujours des trous du cul qui font de la merde, c'est incroyable. Balèze do Brasil. Salut Novskiki. J'adore. Qu'est-ce que t'adores mon ref? T'as bugué du coup? Je charge. Mon ref, je pense que tu utilises trop de connexion là. N'utilise pas trop de connexion. Allez, do Brasil. Je sais pas si on entend sur live. Tu t'es en musique au Brésil, Olé! C'est au Brésil! Dites-moi en commentaire si vous entendez la musique. Si je la baisse, si je la monte. Musique libre de droit, évidemment, j'ai pas envie de me faire strike ma chaîne. Ah, on entend, c'est cool. C'est la musique du Brésil, c'est l'ambiance du Brésil. Parce que ce soir on est sur le circuit du Brésil. D'ailleurs, il fait combien? Alors attends, je vais m'informer en live de la taille du. Oh, si c'est un peu fort, dites-moi. De la taille du circuit, taille du circuit. Mais non, pas international, c'est pas ta mère. Inter. C'est Interlagos, c'est ça? C'est Interlagos, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça? C'est ça? Si, c'est ça? Si, c'est ça. Non? Si, c'est ça. On va y arriver. Construction 1938. 4 km 309. Avenue San Teotônio Vilela 261 Talago, São Paulo. Do Brasil. Putain, je vais casser mon crâne. Allez, Novski! Novski, Novski, il va pas rouler! Noski va pas rouler. Il a traîné toute la semaine pour pas rouler. Let's go. Oh, Sparta de Brésil! Le plus brésilien de nous tous. C'est un peu fort, non, le son, je sais pas. Attends, je vais juste couper le son. Hop, ta gueule. Et hop, juste pour écouter. On n'entend pas en fait. Attends. Je suis dégoûté, on n'entend pas. Ok, ta gueule. Oui, on entend en fait. Salut mon ref! Redame! Si j'aurais win, j'aurais été directement payant en Ligue B. Putain, j'ai cassé mon crâne. Alors bonsoir. Non, ta gueule, toi, déjà, on va plus t'entendre. Alors non, non, bonsoir, non, Noski. Oh, pleut! Il pleut, bordel! Non, parce qu'en fait, les points sont. Bah, tu récupères pas tes 100 points directement en Ligue B. Il est bon, lui. Tu récupères. Je crois, tu récupères 60%? Je crois, de mémoire. Plus en qualif, ok, mais c'est qu'en course. Oh là là la dingue. Alors là les gars. Alors là les gars, niveau setup. Est-ce qu'on va choisir un setup? Bah non. Choisir un setup course. Puisqu'il fait beau. La qualif tu la rates, tant pis, tu vois. Moi tu peux remonter. Parce que si là tu prends un setup pluie, en qualif c'est cool, tu vas être rapide. Mais en course tu vas être un dromadaire mon ref. Et un dromadaire, généralement, ça court pas vite. Ça court à combien de kilomètres heure un dromadaire? Alors attendez. Putain, moi je me pose des questions, c'est cool. Dromadaire, vitesse. Ah quand même! Ah ouais! Mais le dromadaire est un animal, Olivier Filopono. Au contraire, il peut courir très vite. En course, il atteint même des pointes à 70 km/h. Sartek? On va remettre la musique de Brésil. Putain, 70 km/h quand même. Un chameau vitesse. 65 km/h un chameau. Ok, un chameau est plus lent qu'un dromadaire, mais pourquoi? Parce que ça a deux bosses. Vous savez comment on dit, comment on sait que chameau ça a deux bosses? Parce que chameau. Voilà, il n'y a pas que la F1 ici, monsieur. Il y a la culture ici aussi. Ça sera mal, ça me fait rappeler. Ça me fait penser à des...
Ah, des trucs sympas. Allez, let's go. Bon, messieurs, sur ce Grand Prix d'Interlagos, qui s'est lancé? S'est lancé Erintek. Putain, niveau classement. Niveau classement, on en est où? Putain, rien que la musique du Brésil, je te jure, ça m'ambiance. Po. Merci Nono, hein, si tu regardes mon live. Merci pour ces informations précieuses. Je les ai eues juste avant, mais c'est gentil de ta part. Alors l'XC, qui monte, qui descend? Ah, il y a personne qui descend du coup, parce qu'on n'a pas d'XD. Excellent. Donc le mec est dernier, il en a rien à foutre. Les derniers sont Kiro, bon Kiro en coco. Flyco, ben, il vient d'arriver, il s'en bat les couilles. Atom, ben, il s'en bat les couilles aussi. Ouais. Donc il y a des gens qui descendent, qui s'en bat. Mais sinon, lui qui peut monter. Salva est bien positionné pour monter. Égalité de points avec Vitek, qui est P2 du classement. Et Noski monte, hein, logiquement. Non, même pas logiquement, il monte dessus. Il monte dessus, Noski. On l'avait dit déjà la semaine dernière avec mon ami Ilyes. Ilyes qui ne sera pas au cast ce soir, malheureusement. Parce qu'il a rencontré une petite Argentine. Et on sait que les Argentins et les Brésiliens ne sont pas copains. Alors, il a intérêt à win Vitek. Ben, j'espère pour toi. J'espère pour vous. Sinon, le match OMPG est toujours 0-0. Vas-y, on va se concentrer un peu sur la qualité parce que c'est important. Ah, il y a déjà Lucky. Bon, ben, Lucky, c'est ciao. Premier temps pour les attaques. Une 21-3. Je ne sais pas ce que veut dire les temps sur ben, la pluie. Je sais que la Liga a couru. Désolé pour retard, en tout cas, blocage. Merci Oït. Je sais que la Liga, alors s'il y en a qui ont, bah il y a Sparta sur mon live, j'espère. Si tu peux me dire, le temps, qui étaient en Liga. On verra déjà qui fait 25, on a qui en tour là. La Croco. Le son de ton jeu est un peu fort comparé à toi. Merde. Sérieusement? Peut-être la musique de Brésil aussi d'ailleurs. Lève ton micro, Firmin. Et comment tu veux que je le lève, mon ref? Comment tu veux que je le lève? Comment? Oh non! Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide en fait là. Oula! Régler le niveau du micro. Eh ouais, non mais c'est. Niveau du micro. Si je l'augmente. Oh, eh, je sais pas si ça monte le son du jeu dans les paramètres. J'étais dans le Voclar Croco Netflix. Lève ton microzinho. Lève ton microzinho. Ah ouais, j'ai compris. Putain, oh, wow. De cuit. Cuit de moule, cuit d'huître. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est très bien là. Ah. Je crois une 19-8 ou 9, la pole en Liga. Ah ouais, bah ouais, mais... Oh, oh, oh. Alors, une 32, Croco, c'est mort, mon ref. On va se concentrer, messieurs. Je vais juste tac, 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 bim, bam, boum. Les détails, on sent. Ouais, on va mettre ça, quand même. Alors, Salva tente en inter. Bon, bah, il pleut, mon ref. Hein, je sais pas si t'as vu, mais... T'as pas beau casque, hein. Le casque, bah je crois que c'est du Brésil. Alors, s'il a mis un casque exprès pour le Brésil. Machallah, Salva. Allez, comme ça, c'est fait, MDR. 19-9 en Liga, hier, BG. Ah, ben... 19-9, ouais, c'est chaud. Hein. Les inters sont bons, là. Ah bon? Ah bon? Bon, on va voir. Je reste sur Salva. Désolé pour les autres. Croco a cassé. Bon, ben, c'est cool. Est-ce que Croco joue quelque chose? Je crois pas. Juste la carte du circuit, voilà, pour voir. Et oui, le prochain qui va lancer, justement. C'est Salva, donc on va rester sur lui. Lancer, ou il est déjà en tour. Très bon cast, Firma. Très très bien. On sent que t'es bien 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 connaisseur. Bon, déjà toi, dégage.
On voit pas le temps. Ouais, ça va une 23-8 en inter, je sais pas si c'est bon en vrai. Hein. C'est ce GP pour la montée. Ouais. Là on est au 4ème GP, c'est la mi-saison juste après. Et donc il y en a qui vont. Il est là le temps, putain, je suis un fils de pute. Il y en a qui vont monter. Mais du coup il y en a qui vont pas descendre. Non, ça me va, écoute, la télémétrie, on retourne. Oh, détail pneu. Ouais. Ah non, ça a rien en fait, ça pour l'instant. Si, pour les pneus, si, en fait, si. Et on va changer de cam. Elle où ta tête sur ma. En fait, je suis dans mon salon, j'ai mis la play dans le salon. Pour jouer à Redemption 2 en 4K. Parce que j'ai une télé 4K dans le salon et pas dans le bureau parce que voilà c'est de la merde. Et donc voilà donc là je caste. J'étais pas censé caster ce soir, c'était El Carpeto, l'autre Fonda qui devait caster. Donc là je casse dans le salon. Voilà donc sans la cam. Voilà. C'est tout. Parce que la cam elle est sur le. L'écran juste pour F1, j'ai acheté un écran juste pour F1. Une trêve là ou pas? Oui, une trêve, Brusacci, Daily Shock, Mercedes, Mate. Il y a une trêve de une semaine. Donc là, la semaine prochaine, on ne roulera pas. On reprendra la semaine d'après. Ah, il y a nos P6, hein? Eh ben, alors? Évitez quoi, une 19-1? Mais comment ça, une 19-1, frère? Hier, attends, j'ai vu quoi, la Ligue 1, elle faisait combien? Ah, Milan. Non, non, ouais, toi, j'allais dire en inter, non? Une 19-8. Ah ouais frère, il a un niveau de Liga, ok. Et même en Liga, il pout les gens. Ok, bon ben, ok. Vitek. Ah ben, voilà. Ah ben, ah ben oui. Il la reprend bien en plus, bâtard. Et non, il avait drapeau, n'importe quoi. Il avait secteur 2. C'est terrible ça par contre. Même en spinant, il fait des... Il fait un bon secteur, mais c'est quoi ce mec là? Mais il est doux. Bon bref, Clark, il tape un temps là? Ouais. On va rester sur Clark, messieurs. Parce qu'on va se concentrer, Firma, s'il te plaît. On va se concentrer. On va se concentrer. Allez! Go se faire strike, ma chaîne perso. Bon mais Clark, c'est mort, mon ref. Y'a quelqu'un qui arrive derrière? Ouais. Doucement, attention. Ah, ça doit glisser, hein! Bon, vas-y, pousse-moi quand même. Oh. C'est ma chaîne perso quand même. Pas déconner. Ça doit glisser de ouf, hein! Je fume ma meilleure clope, tandis que tout le monde se sort. C'est vraiment en plus. Quel circuit meilleur de la saison, on est d'accord? Bah, en vrai, moi j'aime bien Autriche, mon ref. Mais Autriche, tu fais une erreur, c'est mort, tu vois. Putain, comment je vais remonter tout ça? Ah oui, c'est vrai que t'es ban qualif. C'est vrai, Zizou. Putain, mais toi, t'as pris cher, toi. Ban GP. Alors, quand. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. C'est que. Lui, la meilleure passe, elle va malheureusement. Bah, lui, au milieu, hein. Clark. Clark, il a pas bougé depuis tout à l'heure? Il est bloqué? Jure, il est bloqué? Non! Commence mais. Oui, je voulais dire Zizou, quand on dit ban GP, c'est ban qualif et GP. Alors c'est mal intitulé, c'est vrai. Mais attends, mais. Mais il est bloqué le con! Et du coup, il y a drapeau jaune jusqu'à la fin? Mais c'est fou! Mais c'est fou! Allez, pour fêter ça. Pour fêter ça. Non, pas toi. Il est bloqué! Jusqu'à la fin de la qualif! Let's go! Je vais rester là jusqu'à la fin de la qualif, je reste sur sa cam. Je suis un gros PD. Si je fais pas le live comme ça. Incroyable la dinguerie. Mais non, mais c'est fou. Mais mec, mais comment tu peux te foutre ici en fait? Attends. Ah ouais? Mais du coup, mais attends, s'il y a drapeau jaune. Il y a double drapeau jaune. Dans... Attends, mais pourquoi il y a deux? Mais on est où là? Ah oui, ok. Putain, je croyais qu'il était coincé lui aussi. Bon, j'aime, c'est fou ce... ce circuit, il est hanté ou quoi?
Ouais, du coup, non, je voulais dire, y a aucun. Y a aucun temps qui est validé du coup avec un drapeau jaune? Parce que IRL, c'est comme ça. Y a aucun. Les mecs, ils doivent passer à côté de lui. Mais on fait quoi? On fait quoi? Non, mais sérieux, IRL. Mais du coup, Elite, il va. Enfin, si c'est comme l'IRL, le temps n'est pas compté, ou le jeu est tellement de la grosse merde. J'ai l'impression qu'elle a disparu là, non? Ah non, il est toujours là, Clark, ok. Ah non, les temps sont comptés. Bah ouais, bah Salva, voilà. Salva qui porte ses cojones. Slicer derrière. Oh, bah Slicer. Mais pardon. Ah ouais, mais en fait, ouais, il commence à faire bon. Mais du coup, il fait bon parce qu'on est au Brésil? Maman, j'avais jamais vu celle qui chantait cette chanson là, Bellini. Mazette. C'est sympa le brésilien. En vrai, bon bref, on va se concentrer messieurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a toujours Clarquignon? Ah ouais, Clarquignon est toujours au milieu, let's go. Ça c'est exceptionnel ce truc. Qui entend là? Ah, il améliore de... Oh, une seconde 6. Une seconde 6, ça le placerait où? Ça le placerait, ça le placerait... Une 19, une 19-9. Je sais compter, oui, je sais compter. Une 19-9. Une 19-9, ça le place 6ème. Il va faire mieux, logiquement. Ah oui! Une 19-4, Baby Driver, juste derrière son compatriote Salva. Salva do Brasil. Merci, Slicers. Finalement, on a une qualif infinie là. Comment ça, on est qualif infinie là? Mais non, mais. Pardon, mon ref. Alors, remets-toi sur Clark, je fais une imprimé clan. Alors, non, je ne peux pas parce qu'il a. Bah, il a abandonné en fait. Il aurait peut-être dû le faire plus tôt. Mais ouais. Eh non, non, qualif pas. Non, non, il reste 4 minutes. Ouah, j'ai eu peur. Incroyable ce qui se passe ce soir. Il est où son coéquipier chez Alpha? Alors, vite, tu parles de Vitek, je pense. C'est Noskiki. Et Noskiki, il a pas la connexion pour ce soir. Le mec, alors. Écoute-moi, Mirtaven. Le mec, il a. Il a tapé le top 500 monde en CLM. Pour te dire qu'il a traîne, il a traîne, il a traîne. Au final, ce soir, sa quoi, elle tient pas. Exceptionnel. Bon, sinon, on s'est pas concentré du tout pendant cette qualif. Mais alors, pas du tout. Les mecs, je sais qu'il y a Salva, il y a Noskiki d'ailleurs, qui regarde souvent le live après les GP. Bon, là, ils vont voir un live de merde, en fait. Je suis désolé pour la qualif. On se concentrera un peu plus sur la course. On a un drapeau jaune. C'est quoi P14 dans une vie? C'est vrai, ça aussi. Mais frère, t'as fait un tour aussi. Un tour, il a fait une 32-6. Tu veux espérer quoi, mon ref? Devant, c'est une 16-9. Alors, Vitek qui lâche un gros temps encore. Hein. Il a une seconde. Hein. Une seconde, le ref, hein, du P2. Hein. P2 qui est... Bah attends, Slicer. Mais c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas Musli? C'est pas un pilote esport chez nous ça? Je le suis en plus sur Instagram. Putain, mais c'est. Si, je crois que c'est ça. Hein. Confirmez-moi, messieurs, si vous êtes dans le stream. Mais je crois que c'est ça. Alors, Firma, tu peux me réinviter. Mais comment ça je... Non! Donc attends, faut réinviter Nono. Nono. Je crois que je l'ai pas en ami. Et non, je l'ai pas en ami. Je l'ai pas en ami. On le voit? Non, on le voit pas. Non! Je suis en mode P5 là, mon ref Nono. Je peux pas t'inviter. Je peux pas t'inviter, Nono. Putain, c'est terrible. Je peux pas. Je t'ai pas en ami. Sur le mode PS5. Putain! Faut demander à Elite. Bon. Bon, sinon, est-ce que ça va taper le record? Non, le record de Vitek, je pense qu'il est. Je veux dire, il a un des trois. Flycone, 17-0. Pardon, mon ref. Flyco, la surprise. Alors, je pense qu'il a remis ses Z. Et ça serait légitime en vrai. Pluie, Brésil, il revient. Ça serait légitime de remettre ses Z. Mais Et ben voilà.
Mais ouais, P2 pour l'instant, première ligne pour Flaiko. Flaiko incroyable. On a Zintos derrière qui améliore. Il améliore, il fait la pole. Est-ce que Vitek il entoure? Il entoure Vitek. Vitek est en tour. Possible de laisser rouler l'IA, il fera sûrement mieux que moi. Non, Croco, désolé. Et une 16-9, non, il améliorait pas. Bon, il lance son tour maintenant peut-être. Il a assez de RS pour lancer son tour. Ouais, ouais, vu son attaque, je pense qu'il relance maintenant Vitek. Pour aller potentiellement chercher la pole dans ce circuit de 4 km 300, si je me trompe pas. Non, Nono, ça fait chier par contre qu'il soit pas là. Ça fait chier qu'il soit pas là. Mais il n'y a personne pour inviter Nono. Il n'y a personne. Ouais, faut check vite parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Il reste plus. Ouais, il reste 11 secondes, ça va être chaud. Je pense que c'est mort. Et on a Flaiko, ouais, bah deuxième ligne du coup. Deuxième ligne, Reta qui lance son tour. Pas du tout, il est super lent. Elite qui lance son tour par contre, ouais, lui il est agressif. On retourne un petit peu sur Vitek. Moins une seconde, deux, bah pff, ouais, c'est bon, merci, hein. Merci pour la pole. Vitek la pole, évidemment, logique. Logique, bah je l'ai dit avant, bah c'est logique. Ouais, bah ouais, une seconde 3 d'avance, une seconde 3, Flaiko toujours P3, ça c'est une belle surprise par contre. Ça c'est une belle surprise. Zintos qui n'améliore pas, on a Farah, bah c'est fini. R1Tech, il améliore, mais pour bah, rien gagner. Elite, qui va peut-être se faire gêner par la Williams devant lui. Il va se faire gêner, c'est les deux derniers pilotes, hein. R1Tech qui améliore de rien du tout, ça serait dommage de gêner. Hein. Ça serait dommage de gêner Elite. Et Elite qui abandonne son tour. Pourquoi t'abandonnes mon ref? Il avait pas annulé? Il a amélioré je crois. Et Slicer? Eh oui du coup, mais Slicer c'est pas un pilote. Sparta, est-ce que tu peux me confirmer justement ma question? Est-ce que c'est lui, Musli? Je peux me confirmer. Du coup, mission, on va partir sur ça. La première ligne sera composée de Vitek, d'une Alfa Romeo et de Mercedes de Zintos, suivi par Salva. Salva qui part sur la deuxième ligne avec Flaiko. Flaiko qui l'a la bonne. Je t'ai répondu. Bon, Slicer et Slicer. Mes frères, ils ont le même nom. Comment ça, je confonds ils ont le même nom. Il est fou ce mec, tu confonds framboise et framboise, frère, c'est pareil. Bon bref, deuxième ligne avec Flaiko, excellente surprise. Les deux Williams en troisième ligne, c'est un bon résultat pour les Williams. On sait que les Williams, la petite écurie, est prétendante souvent dans les conditions sinueuses. Et ouais. Et j'ai pas vu la suite des pilotes. On sait que Croco est dans les derniers. Ça, on le sait par contre, ça c'est cool. du coup Farah P5 R1Tank P6 Elite, le responsable de cette ligue, P7 P8 pour Baby Driver qui descend un petit peu, Benito P9, c'est une belle surprise aussi pour Benito, c'est des points importants s'il finit à cette position dans la course. Slicer qui n'est pas Slicer mais Slicer quand même, qui est P10, Clark P11 qui a dû abandonner malheureusement, j'ai 19 secondes pour finir. On a Akinono P12 qui on espère pourra reprendre sa monoplace parce qu'il a eu une petite gastro pendant cette qualification. En même temps, il fait pas beau au Brésil. Vera Redeim qui a vu le live au début, il est P13. Croco P14. Uchiwaluki P15. Et Zizou P16. Sachant que Uchiwaluki et Zizou n'ont pas fait de temps. C'est normal pour Zizou parce qu'il est ban qualif après avoir été ban GP en Ligue Réaliste. Soit dit en passant. J'adore parler vite comme ça. Et arriver pile poil. Putain, je pourrais trop faire de la radio, je vous jure. J'adorerais faire de la radio en plus. Sinon, allez, ferme ta gueule, je vais me faire strike. C'est sûr, je vais me faire strike. J'ai fait trop le mariole, je vais me faire strike, c'est sûr. Alors, je suis encore sur les lives, j'écoute toujours les lives pendant mes courses. Ah, c'est cool.
Moi j'ai vu il y a pas longtemps, il y a un mec qui disait sur Discord que regarder le live en fond, ça faisait comme s'il avait un Jeff personnalisé. Et c'est pas con, hein. C'est pas con, c'est comme s'il avait un ingé, il disait. Et c'est pas con parce que t'as toutes les infos. Genre si on se met sur la cam bah de toi du coup, ça se dit pas mais t'as compris. Bah du coup tu peux savoir que le mec il est derrière toi, tu sais qu'on met la 2RS. C'est pas con. Ah c'est toi Croco, ah d'accord. Et moi j'ai dit ouais y'a un mec. Frère vous êtes je sais pas combien, vas-y c'est bon. Même si tu fais partie de mes chouchous Croco, on va pas se mentir, mais voilà. C'est ce que je fais depuis un an. Allez super, en plus on me prend de haut, let's go. Let's go. Vous m'avez dit Pete met des softs, j'ai Pete, j'ai mis des softs. Et bonne chance à toi Zizou. C'est vrai hein Croco, putain, c'est. Tu t'es gavé sur ça. Après sur PC, voilà, vous avez deux écrans, mangez mon cul, tu vois. Nous, il faudrait qu'on mette le casque et en dessous des écouteurs ou mettre en. Enfin. Ou mettre en son direct depuis l'ordi. Ouais mais du coup si t'es avec un mec t'es en partie, le mec il entend aussi ton live, enfin c'est de la merde. Sur Play pour ça c'est de la merde. PTDR, allez, vos setups 0-0, c'est trop. Alors moi, Croco. Ah, tu parles de la PlayStation. Je suis en 16-18, alors c'est à peu près pareil, hein. Toi t'es sur PC, mais c'est à peu près pareil sur Play. Hein. Putain, j'étais en quoi? J'étais en 17. 17-14 ou 16-14? 17-14, je crois. J'étais en 17-14 et j'ai fini P4 de la course. Donc ça va. Sinon, dans le match OM Paris Saint-Germain. Putain. À chaque fois que je mets Canal, j'ai du retard. Il y a un 0 pour Marseille. Allez, let's go. C'est fou ça. Marseille, ça se voit, ils ont envie, frère. On dit, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. On n'a pas gagné la Coupe de France depuis 1989. Ah bon? 89, je crois. Ah ouais. Bah, très bien, bougez pas. Non, c'est cool. J'ai mon beau-frère en plus qui est au vélo. Ça doit être une putain d'ambiance. Mais Marseille domine, hein, je regardais le live. Le match avant le live. Parce qu'on a relancé une course de test pour Nuskiki qui au final ne peut pas participer d'ailleurs. Merci. Et ouais, putain, mais encore là. Marseille, ils sont vénères, quoi. C'est fou. Bon bref, on va se concentrer. On l'a dit, la qualif, c'était de la grosse merde. Il y en a qui regardent la course, qui regardent le live après leur course. Pour voir si on était bien sur eux, pour voir leur erreur, pour voir en live ce que ça a donné. Donc on va se concentrer ne serait-ce que pour eux. Première ligne, Vitek, Zintos. Moi, franchement, je vais même pas faire prédiction sur la P1. Sauf si dinguerie, sauf si Vitek spin. Vitek a beaucoup plus de niveau que le reste du plateau en Ligue C. Il n'y a que Noskiki qui pourrait et qui le bat. Mais sinon, par rapport aux autres, c'est indécent. On a Salva qui joue sa montée, qui part P3 là. Ne fais pas de dingue, Salva. Tu joues une montée. Alors, peut-être pas en Ferrari en Ligue B, mais en tout cas, tu seras potentiellement Ligue B. On a Flaiko, hein, P4, et je ne le répéterai pas assez. C'est exceptionnel. Le mec, il a fini dernier, le dernier GP. Là, je pense qu'il a remis ses aides, mais le mec, il revient et il fait une P4. Alors, sous un climat différent, bien sûr, et ça peut aider. On sait qu'IRL Stroll est fort pour ça. Quand il pleut, il est beaucoup plus fort. Mais quand même, c'est une P4. Alors d'ailleurs, oui, putain, moi je raconte ma vie, c'est nimp. Ouais, on va mettre intervalle et on va mettre changement de position pour le début. Et je veux juste voir les pneus. Les pneus! Vite! Pneus! On a que du médium, on a du hard du côté de Air Intake. Qui tente des strats, il a raison, c'est le mec à strat, ce mec. Et Nono qui est là avec des softs. J'espère que c'est pas son bot. C'est faux, c'est son bot. Merci. Merci le jeu. Bisous. Alors on va rester sur ça. On va mettre les positions. On va mettre les positions. On va se concentrer. Dégage, dégage. Allez, on reste sur ça. Non. Si. Waouh. Ouah, ça zoom. Mais c'est. Pourquoi ça zoom? Ah non, ça change de pilote. Waouh. Ok. Le mec ne connaît pas. Ah ouais, mais excellent départ. Et on a Salva hein, qui est passé P2. Excellent départ. Est-ce que ça a cassé derrière? Salva P2. On a une Alpine P3. Je vais remettre tout de suite. Comment on fait? Je sais plus. Je suis perdu. Aidez-moi. Ah, il est là. Salva P2. Elite P3.
Flaco qui garde sa P4. Il n'y a pas eu de grabuge derrière. Il y a eu du grabuge. Il y a eu du grabuge. Oh, 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 et... Non. Si. Je parle trop vite. On a Lucky qui est passé entre les balles. Hein. On a Lucky qui est passé entre les balles. On a Zizou qui est passé entre les balles. Nono qui est déçu. Slicer et non pas Slicer. Et Benito. Bon ben... Bah l'habitude pour Benito malheureusement. On a un drapeau jaune. Qui es-tu? Qui es-tu? Vite. C'est Zizou. Ah ouais là mon gars, t'as spin mon ref. Là t'as les pneus, ils sont bouillants. On revient sur la sur le début de course, pardon, mon micro grésille. Mais qu'est-ce qu'il a, Flaco, frère? Ah ben voilà. En fait, à chaque fois que je vais mettre sur quelqu'un, en fait, il va faire une dinguerie, en fait. Je me transforme en Corentin. On a une belle bataille, hein. Une belle bataille en perspective entre Elite et Flaco. Bah, ben, Vitek a déjà une seconde d'avance, mais Salva qui n'est pas loin, hein. 8e pour Salva. Salva a tout à gagner et non pas tout à perdre dans ce GP. Assure une belle position et tu seras en Ligue B, mon Salva. Flaco P3 qui a repris sa place sur Elite qui le suit, hein. Qui est pas dans son dans sa boîte mais presque. Oh, elle est belle cette caméra. On a un Farah P6, Croco qui est bien remonté, hein, P7. Croco K1 qui a pris du coup 7 positions. C'est celui qui a pris le plus de positions, mais celui qui en a le plus perdu, c'est Zintos. Zintos qui est parti P2 et qui est passé par les stands. Malheureusement. 10 secondes de retard, hein, pour Zizou. On a un drapeau jaune, c'est une McLaren. Sans regarder, je pense que c'est Benito. C'est Benito, merci. Alors Nono qui. Est-ce que ça... On a vu un aileron voler là. On a vu un aileron voler là, messieurs là. C'est l'aileron de qui? C'est l'aileron de la Red Bull de Clark. Oh mais Clark, c'est incroyable. Il a zéro chat ce mec. Je le connais pas, mais il a zéro chat. C'est fou. Alors j'ai eu le même problème en course. Ouais, je raconte ma vie, vous allez faire quoi? J'ai eu le même problème en course la dernière fois. Ah ouais, mais là tu perds tout mon ref. Là tu perds tout et on peut... Bah Lucky. Et mais du coup ouais tu perds tout. Mais ça m'est arrivé. Et je l'abandonne. Et mais du coup tu sais pas quoi faire. Si tu casses dans les premiers tours ton aileron, tu sais pas quoi faire. Parce que Brésil, tu peux rester sans aileron, mine de rien. Je l'abandonne. Non, c'est un vrai, c'est le sang. C'est un vrai Benito. Il abandonne pas même s'il finit dernier. Non, je croyais qu'il avait cassé, mais non. On a Salva toujours P2, du coup on se reconcentre. Encore un drapeau jaune, mais calmez-vous, messieurs. Oh, Lucky qui est P11. Lucky d'ailleurs, oui, d'ailleurs, Lucky qui peut monter, il est P4 du classement. Lucky qui peut monter, alors il est juste derrière Salva et Vitek. Faudrait que Salva casse et que Lucky marque plus de 25 points, je crois, pour monter. C'est la merde pour lui. Enfin, c'est la merde, en étant P1 ça va être compliqué. Mais déjà je pense qu'il fait... il sera très heureux de sa première partie de saison, le petit Lucky. On va se concentrer sur des batailles. On a Clark. Clark qui pite du coup, et oui tu vois Croco qui pite. Mais qu'est-ce que tu fais mon ref? Alors ces mecs là ont cassé leur aileron, hein, logiquement. J'ai perdu Croco. Ouais, il a cassé son aileron également, ouais. Ah, ce que je disais tout à l'heure, Brésil, tu peux continuer sans aileron, enfin pas sans aileron tout court, mais une ailette cassée. Moi j'avais l'aileron jaune, j'ai pu continuer, mais au bout de 4-5 tours, tu sens que c'est plus tenable parce que tes pneus se détériorent et t'as moins de grip du coup. C'est logique, hein, il a plus sa bouille du coup. Elite P3 du coup qui a doublé Flaco. Flaco qui a dû faire une petite erreur parce qu'il est déjà à presque une seconde. Faut rester dans le DRS, hein, mon Flaco, faut rester dans le DRS. Eh oui, il a du mal à ce virage-là. Oh, mais non. Bah oui, mais non. Bah oui, mais non, en fait, mon ref. Est-ce qu'il a cassé quelque chose, Baby Driver? Non, je crois pas. On a Flaco, du coup. Ouais, Flaco qui perd beaucoup, là. Hein. Flaco qui a du mal. Et qui a Farah juste derrière lui. Hein. Farah qui va lui mettre une certaine pression. Farah qui peut jouer un coup de maître, hein, en doublant les deux avec le DRS. Logiquement, Baby Driver ne l'a pas. Flaco va l'avoir. On est bon. Flaco là, mais c'est beaucoup trop loin. Et on a Farah qui...
T'es pas loin. Pas loin de casser. On a Redem qui est juste derrière, hein, qui est disqualification pour Lucky. Let's go mon ref. Bah Lucky, tu ne monteras pas. Let's go mon ref. Alors, est-ce que ça va provoquer une safety car ça? Normalement non. On a deux drapeaux. Non, on avait deux drapeaux jaunes. Mais Clark, 3 secondes pénalité, let's go. On avait deux drapeaux jaunes, mais non, ça provoquera pas une safety pour l'instant. D'ailleurs, pas de safety. Pas de safety, c'est plutôt pas mal. On a Salva à 4 secondes 6. Allô ? Vite avec mon ref ! On a Elite déjà qui met la pression à Salva. À Elite, on lui a dit mon ref, va falloir refaire un lobby avec un tour de test. Ça rallonge la course de 20 minutes. Ah ouais, il a dit ouais, ok, pas de problème. Pas de problème les refs. Et on voit que ouais, Elite se débarrasse le plus vite possible de Salva. Salva qui a peut-être du mal. Et qui a du mal. Peut-être une question de confiance en sa voiture. Qui est déjà 6 dixièmes maintenant. 6 dixièmes de Elite. Il va falloir vite le rattraper, hein, mon Salva. On a Baby Driver, la deuxième Ferrari. Qui est à 1 seconde 2. On a Zintos qui est rentré au premier tour. Pour mettre des médiums et qui fait le meilleur temps. Flyco toujours P5. Farah juste derrière P6. Red Aim. P7, Slicer, P8, Air Intake, pas de bataille pour l'instant. P9 avec Nono, P10, je sais pas si c'est avec Nono du coup. Mais avec des softs avec Nono, les softs doivent commencer à canner. Zizou P11, Zizou qui s'est bien repris. On va d'ailleurs regarder un point sur les pneus. Ok, Air Intake, hein, 9ème avec des hards. Pas potentiellement leader. Zizou qui a doublé Nono. Hein. Ah, est-ce que c'est Nono, est-ce que c'est le vote encore une fois? Je ne sais pas. On a Zintos, hein, qui rattrape très vite. Malgré son pit au premier tour, il rattrape très vite le groupe Zizou Nono. On va se remettre un peu devant parce que Salva est à 9 dixièmes. 9 dixièmes d'élite. Il est toujours dans son DRS. Il va falloir le garder ce DRS. Il va falloir le garder. On a Baby Driver aussi derrière, hein, juste derrière son coéquipier de chez Ferrari. D'ailleurs, c'est une belle line-up, je trouve. Salva Baby Driver, c'est une belle line-up, hein, mine de rien. C'est une line-up type Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Alors, Salva 8 dixièmes, 7 dixièmes maintenant de Elite. Si Elite sort Salva de son DRS, Salva aura beaucoup de mal. Salva qui a du mal, on le voit d'ailleurs. Je vais enlever ce truc là, merci. Le menu spec, on se détend. Mon Sparta, je suis novice dans ce milieu. On a un drapeau jaune. Pourquoi drapeau jaune? Ah ouais, mais Salva il va se faire bouffer. Mais Salva laisse la place. Salva très très fair play, hein. Salva qui laisse la place, qui laisse passer évidemment son coéquipier Baby Driver qui est beaucoup plus rapide que lui. Alors Salva a du mal avec ses pneus ou il a peut-être cassé? Est-ce qu'on peut voir s'il a cassé? Ah, c'est pas possible qu'il ait autant de mal alors qu'au début du GP il arrivait très bien. Il a dû casser, hein. Novice. Les trois en même temps, Sparta. Encore un drapeau jaune et sans regarder, c'est Benito. Voilà. Merci. Merci à toi en tout cas. Merci de participer, Benito. Ne gêne pas surtout. Ouais. Je pense que Benito a enlevé toutes ses aides. Parce que ça fait plusieurs GP qui finit dans les dernières positions. En spinant énormément. Alors c'est un parti pris, t'enlèves XC, t'enlèves tes aides. Ouais, je serais à sa place, je ferais pareil. Parce que bon, t'enlèves XC, tu peux pas descendre, donc bon, autant t'améliorer toute une saison. Et après revenir en forme. On a toujours Nono, hein, Nono qui est en soft. C'est pas possible, ça doit être le bot parce que 7 tours en soft, normalement t'as mal, hein. Et Benito, c'est la Berezina, hein. C'est la Berezina pour lui, il laisse passer tout le monde. Est-ce qu'il va pit pour abandonner? Oui, je dis oui, mais est-ce que ça va être le cas? Ouais, bon, en plus je prends 5 secondes. Ouais, il abandonne. C'est logique quelque part. C'est logique. Clark, Croco, va falloir remonter mon ref. Va falloir remonter. On a Aikinono du coup qui pite.
C'est normal avec des softs de 7 tours, les a bien tenus, on a Zintos également avec des médiums de 7 tours, Zizou 8 tours sur ces médiums comme Faiko, comme Redem, comme Slicer, Pharah et les autres devant. On n'a que Croco, Clark, Nono et Zintos qui ont pit pour l'instant. Le reste, ce sont des pilotes avec leur même train que le départ. Pourquoi je parle avec des espaces entre mes mots, je ne sais pas. Mon Elite, j'allais dire qui rattrape, mais non, pas du tout mon ref. Pas du tout, on a juste Baby Driver qui rattrape un petit peu Elite. Salva qui a toujours du mal, hein. Alors je parle beaucoup de Salva, mais c'est un mec qui monte à la base. Donc il faut qu'il ait une bonne position ce soir pour monter. On a Pharah P5 hein, qui essaye du moins de rattraper Slicer. C'est un train-train de merde. C'est un train-train de merde, c'est chiant. On dirait la course en Ligue B d'hier. Plus personne n'est dans le DRS en fait. Les refs. Moi je veux bien commenter une course. Mais faut qu'il y ait un truc quand même. Hein. On va faire un point Pena. Faut qu'il y ait un enjeu, ouais. On va faire un point Pena. Pas du tout. C'est où les Pena? Je mets bien des points dans mes messages, moi. C'est vrai. On dirait les vieux. On dirait ma mère, tu sais. Elle met des points à la place des espaces. Ben, Sparta, tu fais pareil. Alors, Sparta, t'as quel âge aussi? Je veux pas dire que t'as l'âge de ma mère, mais bon. Pénalité, c'est ça que je voulais voir. 3 secondes pour Pharah et 3 secondes pour Clark. Ouais, ça fait chier les pénalités sur Russie, là. Je sais de quoi je parle également. Ça fait chier. 22, bientôt 36. 36 ans quand même, ouais, mais tu les fais en vrai, moi. Je suis désolé de te le dire, mais. On voit que t'es assagi, contrairement à certains qui commandent d'ailleurs le mercredi soir. Je ne citerai de nom, ça commence par un F. Bah sinon, c'est bien chier les refs, hein. On se fait chier, bah tiens, ça c'est pas mal ça. On a. Bah celui qui a le plus gagné de position, c'est Zizou. 6-7, tu commences à me casser les couilles, Zizou. Tu doubles ou tu doubles pas, mon ref, faut faire quelque chose. Zizou, 7 positions. Oh, bah d'ailleurs. Là, on s'emmerdait, mais. Mais oui, mais non. Ça se touche, hein. Ouais, mais Zizou, ça part large, mon ref, là. Ah ouais. Et c'est qui le BGDR? C'est Croco? Je sais pas remettre. Non, c'est Zintos, pas du tout. Il y en a Croco qui va revenir derrière, hein. Qui va revenir sur les poursuivants. On va se reconcentrer, s'il vous plaît. Meilleur tour, on s'en bat les roubignoles. Changement de position, on s'en bat les couilles aussi. On va rester sur les pneus. On va rester sur les pneus, ouais. Parce que là, ça va être critique. On a 10 tours sur les médiums dans 3 tours. 3-4 tours maximum, je pense. Quoique, on peut faire 16-17 tours, j'ai vu. En réaliste. Les mecs tenaient 16-17 tours en médium. Je sais pas comment ils faisaient. Ça, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et du coup, comme ça. Ok. Donc, Croco qui revient sur les Flyco. Flyco qui n'a pas pide, mais qui perd toutes ses positions, le ref. Flyco qui était parti P4 et qui est 11e actuellement. C'est pas normal, ça. Mais c'est beau. C'est beau. Change de cam. Comment on fait? Comment on fait, s'il vous plaît? Allô? On est comme ça. Ok. C'est propre. Alors, c'est propre. Ça s'est touché un petit peu, mais... Il n'y a pas eu de casse, du moins, je pense pas. Il n'y a pas eu de casse? Non. Et non. En tout cas, pas de casse d'aileron apparente. On a Salva qui est P4. Salva, 2 secondes. 2 secondes 9. 2 secondes 8 de son... de son coéquipier, Baby Driver, qui lui par contre rattrape Elite, qui est rentré dans le DRS d'Elite. Il était à 1 seconde 5. Il y a encore 5 tours, messieurs. 1 seconde 5, on a Pharah qui rattrape Slicer. C'est normal, ils sont en bataille. Je suis complètement con. On a Zintos qui rattrape un peu le seul Zizou. J'allais dire le groupe Zizou, mais pas du tout. On a Croco qui était en train de rattraper. Mais est-ce qu'il a fait une erreur? Parce qu'il a 6 secondes, tout à l'heure il était à 4 secondes. Eh oui, eh oui, eh oui, attention, laissez passer s'il vous plaît. Flyco qui perd tout, c'est terrible. C'est terrible, il est en train de tout perdre le Flyco. Et c'est normal qu'il pite. C'est normal, 11 tours. Prends pas de pénal, bon, bien joué. 11 tours sur des médiums, c'est la moyenne basse.
C'est 13 tours la moyenne hein, sur les médiums. Mais si t'as du mal, comme le Salva, 4 secondes 1. 4 secondes 1, on a Baby Driver qui talonne, qui va bientôt se mettre dans la boîte de Elite. Et qui attend son DRS du coup. Alors on va juste... Est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut voir. Il est encore de l'ERS. ERS, DRS. Non, il est loin, il est très loin. Il va pas le dépenser. Il a raison dans un sens. Il a raison. Alors, moi, on m'a dit que c'était l'overtake qui était le mieux vu dans ce circuit de Brésil. C'est l'overtake qui est le mieux vu dans ce circuit du Brésil et Redame hein, qui prend une pénalité. Les pénalités sont très importantes, surtout sur ce circuit les gars. On met pas 10 secondes à son poursuivant, on a un drapeau jaune. Et c'est une... Attention Zizou! Zizou mon ref! Zizou mon ref! Zizou Croco, l'amour! Ah bah oui mais non mais Zizou! Mais Zizou après il va pleurer parce qu'il prend des bans GP, des bans qualif et tout. Pourquoi je cherche mes mots moi aussi ce soir là, c'est fou. Mais c'est la safety car. C'est la safety car dis donc. Mais oui. C'est la safety car et je pense que Croco a cassé. Tu vas trop vite Croco, doucement. Bah à première vue non, mais peut-être son fond plat. Mais à première vue non. Mais alors là, stratégiquement, Gucci, Vitek, Elite, Baby Driver, c'est normal, il pite. Salva, pareil. Salva, mon ref, c'est une chance pour toi, peut-être. Prends pas de pénas, ça, c'est con. Slicer, ah oh ouais, mais là, ça va resserrer tout un package. C'est dommage pour les pénalistes. Pénalistes. On va l'appeler les pénalistes. Croco, 10 tours, il va valoir repite aussi. Alors moi, je suis Clark, je pite pas, hein. Charles, je pite pas. Nono Pitlerd. Alors d'ailleurs, Sparta, est-ce que c'est vraiment Nono ou est-ce que c'est son bot? Est-ce qu'il a pu reprendre Savago à temps? Ça serait cool. En attendant, on va faire un petit point. Pourquoi je parle comme ça? En attendant, on va faire un point sur le match. C'est la mi-temps, super. Allez, merci. Bon ben, pour la petite pause. Flaco n'a pas pit. Mais il avait des... Pardon, excusez-moi, je mange. Mais il avait des arts de 2 tours. Donc à part Firma qui répite avec des arts de 2 tours. C'est logique de ne pas pit. On vous a éteint. Alors pourquoi tu dis ça? Égalisation de Sergio Ramos sur corner. Ah! Ok. C'est con parce que de ce que j'ai vu, Marseille faisait un gros match. Hein. Et au passage, le Real Madrid qui bat Al Ahly. Je sais pas si je l'ai bien dit. Qui bat Al Ahly 4-1 dans le championnat du monde des clubs. Est-ce que ça vous étonne? Moi pas. Je suis Marseille Firma, je vanne le Parisien. T'es Marseille, toi? T'habites à Marseille? Frérot, j'habite à côté de Toulon. On est pas loin. Et il y a El Carpeto qui est sur Aix. Donc vraiment, lui, il est vraiment pas loin de toi, c'était de Marseille. Normandie. Ok, rien à voir, super, bisous. Il habite à Cergy-Pontoise. Je suis supporter. Et il y a beaucoup de supporters partout en France de Marseille. C'est vraiment, je pense, le club le plus représenté dans toute la France, genre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Genre, on a partout des supporters de l'OM. Alors, des supporters de Paris, en vrai de vrai, c'est surtout Paris et le sud, quoi.
Bon, sinon, on va se reconcentrer. Salva qui est sorti P5 du coup. Et ouais, parce que R1 Tech, il en a strictement rien à foutre des pits. Il a 15 tours sur ses hards. Il va les pousser jusqu'au 20ème tour, je pense. En vrai, c'est une bonne strat parce que si. Enfin, après, je suis pas très bon niveau strat, on va pas se mentir. Mais si le la safety rentre, qui gêne un petit peu, qui fait blocus derrière et qu'il y a une autre safety dans la foulée dans les 3-4 prochains tours. Ah ben le... J'allais dire il est Gucci, mais pas du tout, il sera pas du tout Gucci. Parce que derrière les hards vont pas s'arrêter. Putain. Ah ouais, je suis vraiment mauvais en strat, c'est incroyable. C'est terrifiant comme je suis mauvais en strat. Oh. Ouais, donc R1 Tech, t'as fait de la merde mon ref, je sais pas si tu m'entends mais... Je pense que t'as fait de la merde, derrière toi t'as des hards, nickel. Alors peut-être pas le premier tour on va te doubler mais... Les suivants t'es foutu. Fallait pit. Bah après t'as raison en vrai, faut tenter. T'as raison. Sinon, Elite, P3, le driver P4, Salva, P5. Salva, il va falloir faire mieux. Enfin, en soi, tu finis P5, c'est une bonne position qui te fera monter dans tous les cas. Mais tu peux faire mieux. Slicer P6, Phara P7. Phara F7. Excellent. Redame P8, Zintos P9. Zintos P9, alors qu'il avait pit dès le premier tour. En soi, c'est une petite remontada. Il prend, je pense, le pilote Mercedes. Avec une P10, qui n'a pas voulu. Qui n'a pas voulu écouter son ami Sparta et mettre des hards. Tu peux faire même 5 tours en hard si dans. Si dans 10 tours. J'ai pas lu le reste. Si dans 10 tours, il y en a 6 Ragucci. Je dirais même mieux des chocs. Tu l'as vu hier, j'ai fait 31 tours. Ouais, j'ai fait 31 tours en hard. J'ai fait 31 tours en hard. J'avais les hards à 60%, 65% à la fin. Très très jouable en vrai les hards sur Brésil. Là, en vrai, tout le monde finit. S'ils sont pas bêtes, tout le monde finit en hard. Il n'y a pas d'autre safety. Mais ouais, en fait, ouais, R1 Tech, ouais. C'est peut-être pas con. Encore une fois, je me contredis tout seul parce que je suis très mauvais en strat. Du coup, Akinono. Elle relance maintenant. Eh ouais. On se concentre pas, les refs là. Ah oui, il relance tard. Hein. Il relance très tard, Vitek. Ça peut créer une dinguerie. Le premier virage, il est bien pris pour Vitek. Et non, ça a créé une dinguerie. Ben oui, c'était sûr. C'est une Alfa Romeo. Mais c'est non. Mais c'est Vitek, les refs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Phara F7, frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi pas que c'est... Une note safety, messieurs. Eh non, elle vient de sortir. C'est pas possible. Pourquoi il me dit que la Williams, elle est toujours... sur la carte? Et du coup, R1T qui est prêt P1, quoi. Oh, la strat incroyable. C'est mon opposé, ce mec. Il a fait une strat incroyable. Il a eu raison. Il est P1 pour l'instant. Il y aura pas de safety, du coup. Il y aura pas de safety parce qu'il y a du grabuge. Dès le premier tour, je pense qu'il y a eu contact, hein, clairement, Mirtaven. Alors, je suis très mauvais... Caster, enfin du moins diffuseur, on va dire. Je ne sais pas être au milieu des actions, malheureusement. Mais il y a eu forcément du grabuge. Alors on a Vitek, hein, qui est déjà P11, qui a décidé de réentamer sa remontée folle, sa folle remontée plutôt. Et il va le faire, je vous le dis, je pose mes couilles sur la table. Là maintenant, Vitek finit podium. Et je suis sympa. Tu peux aller DM, s'il te plaît. Salut Lucky. Alors, oui, mais DM. Ah oui. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit, Lucky? Alors, je verrai ça tout à l'heure, Lucky. Vu que c'est une vidéo, je verrai ça tout à l'heure. Allez, on va se reconcentrer, messieurs, sur cette course. Vitek qui est P10. Il va faire podium, les gars, je vous le dis, il va faire podium. Il a un trop gros... Mais pardon, Zintos. Il est où, Zintos? La caméra, s'il vous plaît.
5 secondes de pénalité, grave collision avec Zizou. Safety car. Safety car. Et du coup, Ritek qui boxe. C'est la mauvaise strat, ça. Hein. C'est la mauvaise strat. Ah ouais, Salva qui s'était fait dépasser par Slicer aussi. Hein. Clark qui a bien rattrapé sa malchance de qualif. Il est P5 actuellement avec des médiums. Les médiums peuvent finir. Non. Oh oui, Vitek va remonter. Il est déjà P6, Vitek. Je vous dis. Merci Farah. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, mon ref? Farah Fossette, qu'est-ce que t'as fait, wesh? Il était au milieu de la piste en spin. Ah, ok. Jamais il doit pit. On est d'accord. Hein. Il fait une strat incroyable. Il se retrouve P9. Jamais tu dois pit, mon ref. Jamais tu dois garder les hards. Tu dois garder les hards et t'envoler. Et voilà. Pénalité de passage au stand, vitesse excessive sous VSC pour Aiki Nono. Qui n'a pas grand-chose à jouer dans cette ligue, hein, de toute façon. Ouais, on a Baby Driver qui va faire la relance. Hein. Les mecs vont finir. Il y a déjà la relance. Mais c'était. Ah, mais c'était une safety car. C'est une VSC. Bah oui, c'est écrit en fait. Complètement con. C'était seulement une VSC. Pourquoi il a pit alors? Erintek, pourquoi il a pit? C'était juste une VSC, mon ref. On a Slicer, un Slicer qui attaque directement. Il est passé P2, il attaque directement Elite. Slicer a un bon rythme. Hein. Slicer est surprenant par rapport à sa qualif. Parce qu'il aime pas la pluie. Comme les chats. Clark, P4. Clark, pareil, qui remonte. Il est où, Salva? Mais Salva, P7, mon ref. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois? Vas-y, toi, juste derrière. Hein. R1Tech qui est en train de remonter petit à petit. C'est faux, il est toujours 9ème. Et il a même 5 secondes. De retard, pire strat pour R1Tech. Hein. Pire strat, rentré pendant la VSC. Pire strat, mon ref. Il est passé de héros à 0. Ah, c'était exceptionnel ce qu'il avait fait en hard. On a le secteur 2 pour Clark qui va taper peut-être le meilleur temps. Qui fait tout pour revenir. Hein. Il consomme son ERS. Il fait tout pour revenir. Sur les 3 premiers pour aller jouer un podium, il est pas du tout meilleur tour. C'est Croco qui va le chercher. Croco qui est P6, hein, et on a Vitek qui est P5. Je vous ai dit, hein, la folle remontée de Vitek, elle est maintenant. Je vous ai dit, j'ai été sympa, j'ai été gentil. Podium, pas du tout, il va faire P1. Hein. Voilà, je vous le dis, tour 22 sur 36, il fait P1. On a juste derrière Croco qui attaque Vitek. R1Tech, ça aurait été la meilleure strat s'il n'y avait pas eu une essai 3 tours après. Ouais, mais même si elle a essayé après, tu restes en piste. Enfin, je suis pas le mieux placé pour parler des strats, mais tu restes en piste, mon ref. Tu restes en piste. T'as tenté ça, va jusqu'au bout de ton idée. Va jusqu'au bout de ton idée. Pourquoi on a... Un ping. On s'en bat les couilles, les refs. Merci. Allez. C'est où qu'il y a de la bataille? Il y a de la bataille chez Croco. On a 8 dixièmes. On a la bataille. Ouais, Slicer qui est passé P1. Ben oui. Mais bien sûr, mon ref. Mais il a un rythme d'enculé, ce monsieur. Et il fait le meilleur secteur 3 au passage. Je pensais que le DRS, ça l'a aidé. Mais Slicer avec deux. Il a plus de RS, 14%. On a 22% qui... Pour Baby Driver qui attaque directement Slicer, il a pas le temps. Faut que ce soit propre, messieurs, et c'est propre pour l'instant. C'est propre. Bien. Clark, 3 secondes. T'es en train de perdre un potentiel podium, hein, mon Clark. Mon Clark Nino. Elite P3 hein, qui reste en embuscade. Avec la dégueulasse Alpine. Je dis les termes. Le rose, c'est trop. Clark est juste derrière. Clark a déjà rattrapé le groupe. Et avec une pena au Brésil. Ouais, mais Zizou, c'est bon. Avec une pena au Brésil, tu peux perdre des grosses positions. Vitek P5 qui a du mal à remonter, c'est fou.
Est-ce que ça lui aurait pas fait du mal? Après, il se fait pas mal attaquer par Coco, j'imagine. Coco qui, d'ailleurs, on reste sur sa cam. Coco, t'as pas de pression. Je sais que tu regardes le live en même temps. T'as pas de pression, mon ref. Coco, dépasse-le! Bouffe-le! Il a bouffé. Ah, mais il a bouffé comme il faut. Après, Clark, j'ai dit. Après, Vitek est très, très fair-play. Est-ce qu'il a pas cassé Vitek? Vitek? Est-ce qu'il a pas cassé? Ouais, il a cassé, c'est pas possible. Il arrive même pas avec le. Il n'arrive même pas à le raccrocher. Dégâts font plat, ouais, je suis d'accord. Je pense aussi. Alors, le Pélo, il s'est tapé des dégâts font plat en réaliste sur Brésil. Il se tape des dégâts font plat en ligue officielle sur Brésil. Incroyable. Pas de chance, comme Clark. On a Elite, on a les trois premiers hein, qui se talonnent à coup de 4e. On a Croco. Croco, tu pues la merde, mon ref. Tu sens le cul, Croco. Tu sens le cul, putain. Mais c'est fou, ça. Ma manette à déco. Ok, pardon. Firma. Oui, bonjour, Willex. Bonjour, Willex, excuse-moi. Tu te trompes de personne, mon ref. Pourquoi? Pourquoi je me trompe de personne? Comment ça, je me trompe de personne? Ah, c'est Willex qui a... C'est toi qui avais plus de fond plat? Je crois que c'est Vitek. Mais moi, dans mon cerveau, en fait, je mets... Il roule pas à la réalise Vitek. Et oui, bah alors... Ah oui, c'est toi. Bah ouais, mais en fait, voilà, je t'explique mon cerveau. Wesh, doucement. Doucement, doucement, mes refs. Doucement. Ah, mais du coup, là, ça va tout faire bugger, là. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit, faut... Mais si, faut laisser passer un tel, faut relaisser passer. Oh, le zbul, allez, on est à faire un zbul. Non, mais en fait, je t'explique, Willex, je mets tous les gros pilotes dans dans un coin de ma tête, et pour moi, vous êtes tous le même nom, et vous êtes tous la même vago. Mais oui, c'est toi qui avais cassé. Ouais, Vitek, Willex, c'est bon, vas-y, frère, c'est pareil. C'est un compliment, du coup. Pour lui comme pour toi. Ouais, Slicer P1, Clark P3, du coup, pardon, pourquoi? Baby Driver. Baby Driver a perdu ses positions à cause de la safety, j'en suis sûr. C'est terrible. On est à 11 tours de l'arrivée. Baby Driver perd potentiellement une P1. On a. Il est où le Vitek? Il est P2 du coup. La session que vous voulez rejoindre n'est plus disponible. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de cul? Oh le Zbul. C'est quoi cette dingue là? Ça a crash. C'est terrible. Mais non. Tour 26, lobby mis à jour. Tour 26 sur 36. Invitation reçue. Non, c'est moi qui ai crash, mon ref. Comment on accepte les invitations sur Play 5? Wesh, c'est quoi ça? Vous a invité à jouer. Ah, mais on a tous crash? Alors, là... Mais qu'est-ce que tu montes, toi? Mais pourquoi je suis là, moi? Une erreur?